Alors, nous avons décidément beaucoup de problèmes techniques pour commencer cette édition spéciale. Alors, on va maintenant, on a commencé à voir quelle était la journée du Parti Socialiste, et ça, le Parti Socialiste, on va y revenir tout à l'heure. Voyons maintenant la journée à l'UMP. Je vous le disais, Nicolas Sarkozy a pris un peu le large. Aujourd'hui, il est allé à Malte avec sa famille, sa femme. Pendant ce temps, à l'UMP, évidemment, on parle des législatives, et Patrice Machuré nous explique tout ça. Rien ne parle. Cet après-midi, Nicolas Sarkozy était ici, Manuel Island, sur l'île de Malte, où il est arrivé en avion privé vers 14h30. Il serait ensuite parti vers ce port, un endroit réputé pour ses yachts de luxe. À bord, sa femme Cécilia et son plus jeune fils, direction le sud de l'Italie. Mais pour l'instant, aucune image. La dernière en date, c'est celle-ci, tôt ce matin. Nicolas Sarkozy sort d'un hôtel des Champs-Élysées, suivi de près par ses proches, mais ensuite plus d'apparitions. À son QG, c'est l'équipe de campagne qui se montre rue d'Enghien. Réunion à 9h et Claude Guéant, son bras droit, sans doute futur secrétaire général de l'Élysée, lâche quelques mots. La suite du programme, c'est que dans les jours qui viennent, il faudra qu'il désigne un Premier ministre après avoir pris ses fonctions. Donc il faut qu'il réfléchisse, il faut aussi qu'il constitue son équipe. L'équipe fait peu de commentaires, pas de triomphalisme. Il leur reste une seconde bataille électorale à gagner, les législatives. Nous allons voir comment faire en sorte de lui donner la majorité parlementaire la plus large possible pour mettre en œuvre ses engagements, puisqu'il l'a rappelé encore hier soir. Il a bien la volonté de tenir l'ensemble des engagements pris pendant la campagne. Vers 17h, une arrivée surprise, deux poids lourds de l'UDF, les députés Hervé Morin et François Sauvadet. Ah, on va parler dans le cadre de la majorité présidentielle en construction. À la sortie, ces deux fidèles de François Bayrou qui ont voté UMP au second tour ne diront rien. Aujourd'hui, au QG, une seule information a été confirmée. Nicolas Sarkozy va quitter la présidence de l'UMP. Un conseil national devrait, le 13 ou le 14 mai, organiser sa succession, juste avant la passation de pouvoir, le 16 mai, entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.